Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui qui va vous expliquer une petite technique qui va certainement vous servir lors de votre prochaine partie de poker. Alors, si comme moi vous êtes plutôt malchanceux, en fait j'ai été chanceux, enfin j'ai cru, je vous montre. Dans ma main, j'avais quand même un carré de dames. Quatre dames. Évidemment, ce n'était pas que des dames de cœur, hein. Mais pour l'expérience, ça ira très bien. Ma cinquième carte, c'était un as. Voilà. Alors pourquoi mes dames sont à dos rouge et mon as est à dos bleu? Vous allez le comprendre. En fait, suite à ça, moi j'ai cru que j'allais gagner. J'ai misé tout ce que j'avais. Carré de dames, plus un as, je me suis dit, je suis tranquille, quoi. Sauf qu'en face de moi, mon adversaire, il avait un carré de roi. Ah ouais, carré de roi, il a gagné. Et en rentrant chez moi le soir, suite à ma défaite et à la perte de toutes mes mises, eh bien, je me suis dit que bah, il me fallait trouver une solution en fait. Et vu que j'avais un as, mon cinquième carte, j'ai essayé de trouver une solution pour transformer mes dames en as. Voilà. Et aujourd'hui, je me propose de vous présenter la solution que j'ai trouvée. Alors, c'est très simple. Vous enlevez parmi vos quatre dames, vous en enlevez une du milieu, enfin à peu près. Et vous remplacez par un as. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris des cartes de couleurs différentes, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Donc voilà l'alternance, hein. Vous refermez votre jeu, vous coupez et vous faites une petite passe magique. Voilà. Donc là normalement vous avez un carré d'as. Voilà. Donc là sur le carré de roi, je ne veux pas dire que le carré de roi est minable, mais pas loin quand même, hein. Alors faites attention, vu que l'as était à dos bleu, on a maintenant 4 cartes à dos bleu, hein, d'accord? On transforme vraiment les cartes, hein, y compris le dos, hein. Alors, je voulais vous montrer que l'opération est réversible, ce qui n'est pas le cas de toutes les expériences. Donc, vous enlevez un as, voilà. Vous mettez une dame à la place. Encore une fois, grâce aux couleurs, on voit bien ce qui se passe. Vous refermez votre jeu, vous coupez. Petite passe magique. Et là, vous retrouvez une dame, une deuxième dame, une troisième dame et une quatrième dame. On retrouve bien les dames qu'on avait au départ, à dos rouge, pardon, j'ai failli dire bleu, à dos rouge. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, je vous montre une dernière fois comment transformer ces quatre dames en quatre as, puisque c'est ça qui vous sera utile, en tout cas si vous êtes joueur de poker. Donc, vous glissez une carte, vous en enlevez une. Voilà. Une dame, donc, hein, et vous la remplacez par votre as. Prenez bien des as de même couleur, hein, quand vous le ferez. Voilà, vous refermez, vous coupez, petite passe magique. Et là, eh bien, vous avez normalement un carré d'as, un as, un deuxième as, un troisième et un quatrième. Évidemment, les dos ont changé. Faites bien attention à ça, j'insiste, c'est important, pour pas que vous vous retrouviez avec des cartes avec des dos différents, ce serait dommage. Puisque là, ça transforme même les dos, on a bien des cartes à dos bleu maintenant. Donc voilà, un carré d'as et une dame. Voilà. Alors j'espère que ça vous servira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez gagné grâce à cette technique. Mettez-le dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon jeu et à bientôt. Salut!